Bienvenue sur la chaîne « Message des anges pour vous, aimés fils de l'univers ». Si vous avez été sélectionné pour recevoir cette vidéo aujourd'hui, cela signifie que vos anges gardiens ont un message très important pour vous. Votre nom est apparu lors d'une conversation car vous avez été profondément incompris. Les anges affirment que les gens ont parlé de vous car vous êtes une âme brillante comme un diamant, mais beaucoup ne parviennent pas à comprendre la quantité de lumière et de positivité que vous rayonnez. Certaines personnes trouvent difficile de croire qu'une personne puisse être si puissante et aimante en même temps. Cependant, sachez que vous êtes vu par l'univers, par les étoiles, et vous êtes soutenu par les anges et les archanges, même face aux critiques, au scepticisme et à la haine. Ils établissent des barrières quand vous pourriez manquer de limites, et illuminent vos forces quand vous doutez de vous-même. Après avoir répandu tant d'amour et de joie pour tant de personnes, les destinataires se souviennent de votre dévotion, de votre force intérieure et de votre bonté inébranlable. Il est vrai qu'il y a des gens faux et trompeurs dans le monde, mais vous n'êtes pas l'un d'eux. Le message céleste est un avertissement chargé de sagesse et de guidance supérieure, afin que vous puissiez mieux vous connaître ainsi que votre chemin de vie. Ce message est lié au but de votre existence et au chemin de votre âme. Vous avez été jugé et mis sous les projecteurs dans certaines situations professionnelles, amicales ou sociales. Toute l'attention que vous avez reçue n'était pas positive, et tout le monde ne vous a pas loué ou cru en vous. Vous avez également attiré certains envieux, cyniques et détracteurs. Le message vous met en garde contre le fait d'être naïf face aux paroles haineuses, à l'envie ou à la jalousie du monde, car cela peut perturber votre chemin. Il est important d'être conscient de l'énergie négative que vous pouvez absorber dans votre parcours. Votre don de percevoir au-delà de ce qui est visible à l'œil physique peut entraîner des malentendus et des confusions. Il est essentiel de reconnaître que tout le monde n'a pas la même évolution spirituelle et que certains agissent encore par peur plutôt que par amour. Il est suggéré que vous soyez plus conscient lorsque vous partagez votre énergie et votre sagesse avec les autres. Tout le monde ne désire pas changer, guérir ou trouver l'alignement avec son âme. Offrez votre guidance divine uniquement lorsque cela vous est demandé et là où c'est nécessaire. Soyez conscient que certaines personnes pourraient ne pas comprendre ou apprécier votre présence. Restez connecté avec ceux qui sont en harmonie avec vous et soyez un guide généreux et aimant pour ceux qui en ont besoin. Développez des limites plus claires pour que votre intuition puisse discerner ce qui est réel de ce qui est illusion. Vos capacités spirituelles sont une bénédiction, mais elles doivent être utilisées avec prudence et conscience. Sachez que vous êtes aimé et protégé par l'univers. Laissez ce message résonner en vous et partagez la positivité avec les autres. Cela créera des ondes d'énergie positive et entraînera de bonnes vibrations pour tous. Ce message comprend également une prière pour vous, demandant d'être entouré d'amour divin et de protection. Elle vous guidera pour reconnaître votre valeur et embrasser vos dons uniques tout en naviguant à travers les illusions et les distorsions de ce monde. Pour réclamer ce message et ses bénédictions, tapez 999 et laissez un commentaire positif pour les autres spectateurs qui pourraient avoir besoin d'un coup de pouce de positivité dans leur journée. Remerciez votre lumière et majesté intérieure, et rappelez-vous que tout le monde n'est pas au même niveau ou cycle de vie. Soyez gentil et humble, mais aussi ferme dans vos convictions. Souvenez-vous que la vérité, l'amour et la paix prévalent toujours. Le message se termine par une invitation à une lecture lunaire personnalisée, qui pourrait vous aider à prendre une décision importante. Cliquez sur le lien fourni pour en savoir plus sur la lecture. N'oubliez pas que vous êtes aimé et protégé par l'univers, et que vos actions positives créent un cycle de bonne énergie pour vous-même et pour les autres autour de vous. J'espère que chaque mot a touché votre cœur et que vous avez trouvé de l'inspiration et du réconfort dans nos messages d'amour et d'espoir. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et qu'il y a une force supérieure veillant sur vous à chaque pas du chemin. Que ces paroles résonnent dans votre âme, apportant paix et réconfort dans les moments de tribulation. Maintenant, il est temps de porter cette flamme de foi et d'amour dans le monde, en la répandant pour ceux qui en ont le plus besoin. Partagez ces messages avec vos proches,
apportez de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité et devenez un agent de changement positif. Que Dieu soit avec vous jusqu'au prochain moment de foi, paix et réconfort. Amen.